Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Tinkercad. Je vous ai parlé déjà, j'ai fait une playlist avec trois vidéos. Vous avez Tinkercad aperçu du logiciel, vous avez ensuite Tinkercad pour iPad. Donc là je vous montre de quoi je parle. iPad, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur Tinkercad sur un iPad, c'est très sympathique. Et par rapport à l'évolution 2022, je vous avais fait une vidéo sur la réalité augmentée. En l'occurrence, ce qui m'intéresse de vous montrer cette fois-ci, c'est par rapport à SimLab. SimLab, ça va être une simulation de la gravité. Et c'est vraiment génial. Alors, si vous ne connaissez absolument pas Tinkercad, alors là, on est sur Tinkercad, et ce que vous pouvez apprendre à faire, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez, on apprend à faire le train. Alors, bien évidemment, avant, il va falloir comprendre comment se déplacer dans l'interface, bouger les différents éléments, puisque ici, vous avez des formes simples, vous avez des matériels électroniques, loisirs. Enfin, vous avez pas mal de choses, hein. Ce qui est pas mal, c'est que Tinkercad, c'est un logiciel gratuit en ligne, comme je l'explique dans l'aperçu au niveau de ma première vidéo sur YouTube, et vous allez pouvoir faire des trucs vraiment très sympathiques. Si par hasard vous êtes intéressé par une formation complète sur ce logiciel, eh bien je peux vous proposer deux centres d'apprentissage. Vous avez le premier qui est frtuto.com, vous allez retrouver trois formations, vous avez Tinkercad pour tous, Tinkercad niveau intermédiaire et le canon à balles. Voyez ici, ce qui est pas mal, c'est que par rapport à Tinkercad, il vous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment un outil très sympathique, assez facile d'emploi et rapidement, eh bien, on va pouvoir évidemment modéliser différentes choses. Là, je vous montre des photos à la fois du train qui a été fait en 3D ou alors du canon à balles. Puisque dans le cas de la cuisine, comme je vous dis, j'ai voulu aller au niveau des limites de Tinkercad, enfin ce que j'explique dans la présentation, et évidemment, je n'ai pas pu l'imprimer en 3D. Ou alors, il aurait fallu avoir une imprimante de type résine. Autre centre d'apprentissage, vous avez Udemy, où là aussi vous allez retrouver mes trois formations. Vous avez Tinkercad pour tous, Tinkercad niveau intermédiaire, ou alors le canon à balles. À vous de voir si vous êtes intéressé. Alors si maintenant on revient à Tinkercad, voilà le genre d'option ou de simulation qui a été rajoutée dans le logiciel. Ça s'appelle SimLab. Et ça, c'est le genre de scène que l'on va apprendre à concevoir ensemble. Croyez-moi, c'est pas si évident que ça, parce qu'au début, il y a quand même pas mal de petites subtilités à prendre en compte. Donc cette vidéo durera une demi-heure et elle sera rajoutée à ceux et celles qui ont acheté mes formations sur Tinkercad. Donc si je vous montre le résultat final, on va cliquer sur laboratoire de simulation. Vous allez voir que lui va changer d'aspect et surtout ici, on aura ce qu'on appelle une timeline. Si maintenant j'appuie sur le bouton lecture, vous avez une espèce de boule qui va tomber ici. Oui, j'ai fait exprès de faire ce genre de choses. Et ce qui va m'intéresser, c'est créer une simulation. Le but de ce rajout dans Tinkercad, c'est de créer une sorte de simulation par rapport à la gravité. Et ce qui est pas mal, si vous voyez, d'un seul coup, j'ai mes dominos qui vont s'écrouler. Et ça peut donner des trucs très sympathiques. Voilà donc la vidéo de 30 minutes qui sera rajoutée dans la formation Tinkercad pour tous sur frtuto.com ou alors Tinkercad pour tous sur Udemy. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.